de la tour de Tokyo. C'est quoi les bails? C'est quoi les bails, les Freemasons? Je mélange les fainéants, wow. Le fit il est fêlé. La police a mis ma drogue sous scellé. Drogue sous scellé. Végétal ou synthétique, ton plug est pathétique, il a aucune éthique. Tellement dope. On est à Roppongi, c'est un quartier un peu building, patron et tout. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a là les magasins genre européens, français. Genre, je suis tombé carrément sur la boulangerie qui est à côté de chez moi. Les croissants ont le goût de croissant, c'est des boutiques. Du vrai croissant, tu sens le beurre, pardon, j'ai des miettes, mais c'est si bon. C'est si bon. Non mais sérieux, ça, c'est le vrai croissant, le croissant français. J'ai pris un pain au raisin aussi. Alors si vous ne savez pas, le pain au raisin, c'est ma viennoiserie préférée. Donc il va y avoir un gros jugement. Il va y avoir un gros jugement. Attends, on va goûter. Bougez pas. Je sais, j'ai des miettes partout. Même chose. Il est chaud? Non, il est pas chaud. Non, ça, moi, je l'ai chopé au four en vrai. Une fois qu'ils sont bien croustillants, c'est là où je le mange. Mais c'est le même. C'est le même. Les raisins, ils les ont apportés de je sais pas où, mais c'est le même. Parfait. Franchement, SO Boulangerie Lendemain, vous êtes des bons. Je suis pas un grand fanatique, mais quand même. J'ai la coupe à Toby, la Cali dans le colis. Ça tient bien quand tu me connais. Maintenant tu veux faire la coquine. Écoute pas si t'as un lover. Écoute si tu veux délover. Écoute, Lou, je me pense à la Dover. Je bats juste en voyant la cover. Je me défonce pas avec des connasses. Car si connasse rime avec crasse. Je classe au lia rime avec crasse. Qu'est-ce que c'est putain comme les golas. Bébé viens on se revoit demain. Demain on se reverra jamais. Je voulais checker ce qui était des vrais dans mes deux mains. Parce qu'aujourd'hui on sait jamais. J'aime trop. On aime trop. La vérité l'insolence, j'aime trop ça. Dernier jour à Tokyo. Dernier jour au Japon en fait tout court. On va faire un petit point rapidement quand même sur tout ce voyage qui a été assez long je trouve. Quand je repense au premier jour où je suis arrivé. Et maintenant je me dis quand même que j'ai eu le temps de visiter quand même pas mal de choses, faire beaucoup de trucs. J'ai kiffé le Japon, surtout Tokyo. C'est une ville, enfin, Tokyo c'est même pas une ville en fait. C'est une concentration de plusieurs villes, c'est énorme. Tu sors d'un endroit pour arriver dans un autre endroit, t'es en train de tout le temps de lever la tête pour regarder ce qui se passe, hein, c'est énorme. Ces Japonais ne fonctionnent absolument pas comme nous, genre, y a des boutiques qui sont au 9e étage d'un building. T'accèdes à la boutique par un ascenseur qui donne sur la rue, enfin c'est trop bizarre, que des bails comme ça. Pour les autres villes, j'ai un peu moins kiffé que Tokyo quand même. Kyoto, clairement, si tu veux visiter des temples, des trucs comme ça, c'est bien. Mais il faut pas rester trop longtemps parce que vraiment, c'est de la dé, qu'on se le dise. Alors franchement, les trucs qu'on a fait, ils étaient bien. On a fait le temple d'or, le temple d'argent et l'espèce de truc avec toutes les arches là. Ça, c'est sympa. Mais 3 jours là-bas, clairement, c'était trop. Osaka, clairement, surcoté niveau bouffe. Hein, c'est pas si ouf que ça. Pas mal de street food quand même, ça c'est nice. Vraiment, si je devais avoir un point négatif sur ce séjour, vraiment c'est la bouffe. Peut-être que j'ai pas testé les bons trucs, hein, c'est possible aussi, tu vois. Mais vraiment, grosse déception au niveau de la nourriture. Vraiment, moi c'est là où je les attendais et ils répondent clairement pas à l'appel. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, on fera découvrir mieux ça. Par contre, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment le paradis des mangas, quoi. Moi je le vois juste quand je porte cette pochette là. Franchement, il y a pas mal de gens qui me font des réflexions en mode « Oh, les Pokémon et tout !» Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui me faisait cette réflexion, vas-y, moi, j'en manquais pas une, tu vois, je montrais direct mon tatou One Piece, Pokémon, ça, et c'est là « Oh, Sukoi, Sukoi !» Donc déjà, à ce niveau-là, quand même, c'est cool. Enfin, il y a un pays qui... Bon, après, en même temps, tu me diras, ça vient de chez eux, mais enfin, un pays qui respecte un peu les mangas, ça fait plaisir. Et puis même, tu sens que ça a vraiment une part dans la vie de tous les jours des gens, parce que dans le métro, il y a énormément de gens qui sont en train de lire des scans sur leur téléphone, où tu vois des pubs pour tout et n'importe quoi, il y a toujours des personnages kawaii qui sont là. Pikachu, c'est une vraie star dans la ville, il y a des distributeurs avec des Pikachu. N'importe quel magasin va te vendre n'importe quoi avec un Pikachu dessus. Grosse surprise aussi au niveau des mangas les plus populaires ici. Bon, Pokémon, tu le comptes pas vraiment comme un manga, mais ça a une grosse part quand même, si c'est assez important. Mais en termes de manga pur, moi ce que j'ai vu partout dans les rues,
c'est One Piece, My Hero Academia et Les As du Volet. Et le truc des As du Volet, là, moi, c'est un manga que je regarde pas, que je connais même pas. Ça m'étonne que le truc de Volet prenne autant de place ici, quoi. Enfin, le Volet, ça fait un peu penser à High Shield 21 à l'ancienne, genre, ils avaient fait un manga sur le football américain. What the fuck. Là, c'était parce qu'il y avait la Coupe du Monde, je crois qu'il allait se passer la Coupe du Monde de football américain. Mais là, je sais pas, peut-être qu'ils organisent la Coupe du Monde de volley pour faire un truc comme ça. Enfin bref, en tout cas, grosse surprise à ce niveau-là quand même. Je m'attendais pas à ce qu'un truc aussi inconnu, inconnu, ça dépend pour qui, soit dans autant mis en avant ici. Pokémon Go aussi, j'ai carrément fait plusieurs raids, j'ai eu deux Giratina, j'ai pu prendre tous les Pokémon qui étaient uniques pour la région. Donc t'avais feuille à joue, j'ai assez de bons pour le faire évoluer et tout, ça c'est nice. Et il y a aussi canard artichaut, genre je me suis monté une bête en canard artichaut là. Voilà. J'ai pu visiter quand même pas mal de trucs, hein, on va pas se mentir. Enfin, vous avez vu les vlogs, donc ça va. On a le typhon qui nous a un peu mis dans le mal à la fin du séjour, genre on a perdu une journée à Osaka clairement. C'est un peu relou, mais bon, c'est le Japon, c'est le pays des typhons, normal aussi qu'on en voit un, enfin... Normal, je sais pas, mais vas-y, en tout cas, ça rajoute un truc, tu vois, d'avoir vu le typhon aussi. Donc bon, c'est pas, je suis pas totalement le seum à cause du typhon. Les fringues, franchement, ici, c'est nice. Suprême, il y a trop de stores Suprême ici, c'est nice. Les stores Bape aussi, les Bape moins chers, ça, j'ai kiffé, Bape moins cher. Franchement, si j'avais même plus de thunes, je serais encore allé acheter une Sharp tellement c'est rentable. Après, j'ai pas vu trop de modèles qui me plaisaient non plus, faut pas prendre pour prendre, tu vois, c'est pas ouf en soi. Par contre, dans les boutiques de recel, énormément de trucs. Énormément. Genre, j'ai vu des collab Bape, des Chromeurt, du Supreme à l'ancienne, énormément de trucs. Ça, c'est cool aussi. Mais quand même un peu cher. Dans l'ensemble, quand même, Tokyo, enfin, le Japon, ça coûte cher, tu vois. On a eu du mal à sortir un jour et pas dépenser d'argent. C'est impossible. Impossible. Je sais pas ce qu'on achète, mais on achète forcément quelque chose. Donc, si vous venez ici, clairement, préparez le budget, quoi. Sinon, vous allez pas faire grand chose. En tout cas, le voyage est quand même pas fini, il reste une journée, on va profiter à fond de la dernière journée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller au méga centre Pokémon. On va aussi passer normalement au méga Don Quixote, histoire de voir ça dit quoi là-bas. Je sais pas si j'ai filmé à l'intérieur d'un Don Quixote. En gros, c'est des magasins où t'as tout. Non, vraiment, quand je te dis tout, c'est qu'il y a tout. Tu peux acheter des sacs de marque, tu peux acheter des bonbons, tu peux acheter... des produits de beauté, tu peux acheter des montres, tu peux acheter tout en fait. On a déjà bien fait le tour, on a plus trop de thunes, donc va falloir se calmer aussi, tu vois. Mais voilà, c'est ça le programme aujourd'hui, on va voir comment ça évolue. Et ce soir, normalement aussi, on doit manger shabu shabu avec des potes, donc on verra si ça se fait ou si ça se fait pas, parce que ils ont déjà annulé une fois, tu vois. Bon, ils m'ont dit que c'était un truc bon à manger, tu vois, donc on va voir shabu shabu, ça dit quoi. Enfin, de toute façon, vous allez suivre. On continue le vlog. Hier, je vous parlais de la boulangerie Lendemain qu'on a vu. Là, on a trouvé carrément le point où il y a toutes les boulangeries du pays. Elles sont toutes concentrées ici, en fait. La vérité, l'insolence, nous on aime trop. La vérité, l'insolence, on aime trop. Bientôt plus jamais le trône. Non, franchement, c'est nice. On a pris le petit pack. Maintenant, on va aller au Starbucks. Prendre un vrai petit déj. Un petit déj de roi. Un petit déj bien mérité. Qui sont pétés en gros. Ce sera la Clio. Another one. Oh, ça c'est Pokémon Go, ouais. Jamais police, t'es déjà dit une fois le temps t'as tout pivote. Aussi je suis bien quand j'ai le meilleur shit. Pour moi le bonheur ça rime avec free. C'est magnifique, je me fais si c'est la même temps que j'ai free. Aussi je suis bien quand j'ai le meilleur shit. On va vous expliquer la différence entre un Pikachu mâle et un Pikachu femelle. Tu vois, ça par exemple. Ça n'est que de Pikachu femelle. Parce que les femelles, elles ont la queue en forme de cœur. Tandis que les mâles, eux, ont la queue droite. Voilà, c'était le petit cours du prof Louch. Pour moi, le bonheur, ça rime avec fric. Je me fais sucer la bite en même temps que j'ai fric. J'aime trop. On aime trop. La vérité, l'insolence, moi j'aime trop ça. La vérité, l'insolence, nous on aime trop. À Tokyo, on va manger dans un truc traditionnel japonais, c'est un genre de fondue chinoise, je dis pas de conneries. Ouais, un genre de fondue chinoise, ça s'appelle shabu shabu. C'est le poteau Amine qui nous emmène là.
Gang gang ou quoi? Voilà, shabu shabu, on y va, je vais vous montrer. Je vous explique le principe en balle. En gros, là on a la viande, donc il y a du bœuf, il y a du porc, il y a un peu de tout. Tu prends ça directement et tu le balances dans le bouillon. Là, tu as ce bouillon-là qui est sucré un peu de toute façon. Et tu as ce bouillon-là qui ne l'est pas. Qui est un peu... Là, c'est le vrai shabu shabu. Là, c'est une sauce un peu plus sucrée. Alors, quand tu plonges ta viande dedans, tu attends que ça cuise un peu. Tu vois là, par contre, c'est en train de cuire. Tu prends après. Quand c'est dans celui-là, tu mets dans l'œuf. Voilà. Si tu mets dans le shabu shabu, tu peux mettre soit dans ça. C'est façon sauce soja un peu, mais pas trop apparemment. Je sais pas trop ce que c'est. Et tu as cette sauce-là qui est au sésame aussi. Personnellement, je préfère ça. C'est vraiment plus onctueux, plus savoureux et tout. Et avec l'œuf, vraiment, c'est très très doux. À côté de ça, tu peux manger aussi ta petite salade et tout, tranquille. Bon, franchement, moi, la salade, c'est parce que je connaissais pas. Je pensais qu'il fallait plonger ça là-dedans. Bref, je vais me concentrer là-dessus sur la viande. Donc, en fait, ça, sukiyaki, shabu shabu. Voilà, on sait ou on sait pas. Que vous êtes prêts, partie 2 des unboxings des primes. Bon, la première fois j'ai eu Zoro, Robin et Usopp. Bon, moi je voulais Zoro, Sanji et Luffy. Franchement, je m'arrête pas tant que j'ai pas ces trois là. Donc c'est parti, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, franchement, si je les ai pas vraiment, c'est que j'ai pas de chance. Ok. Première prime de la journée. Sur qui on va tomber? Et c'est encore Roronoa Zoro. Merde! Merde! Ça sera juste un cadeau pour quelqu'un, c'est pas très grave. Je savais que ça arriverait forcément. Mon but c'était d'avoir tout l'équipage au complet, mais c'est très compliqué parce que vu que c'est du hasard total, vas-y mon gars, bonne chance. Ensuite. Cette fois-ci, allez, un petit Luffy, là, ça fait plaisir. Mugiwara no Luffy, lui-même, il est là, et oui, bande de pute, et oui, enfin. Oh, après 4 essais, quand même, ça va, 1 milliard 500 millions de berries. Tu es fou, bien sûr, tu es fou. Mugiwara no, le chapeau de paille. Non, sale. Ça, c'est un bon tirage, ça, c'est bon, ça, c'est sale. Ça, on kiffe, hein? C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on voulait. Tu es fou, quoi. Allez, il manque plus que Sanji. Et même Soul King. En vrai, Soul King aussi, son affiche, elle est fraîche. C'est une affiche de concert, de toute façon. Ok. Et encore Luffy. Oh, deux fois de suite. Wesh. Incroyable. Énorme. C'est chaud quand même. Bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, c'était une commande qu'on m'a passée. Donc ça ira avec Zoro de l'autre côté. Bon, il me reste 5 boîtes avant de trouver Sanji. J'espère qu'on va le trouver, sinon je retournerai au magasin, j'en prendrai encore 6. On s'en bat les couilles. Ok. Est-ce que vous êtes chaud là? Qui donc? Champa. 100 berries, wesh, c'est du foutage de gueule. Pourquoi il est même recherché? Ouais, bon, c'est de la D, on s'en fout. Mais bon, c'est quand même un autre membre de l'équipage, donc c'est cool. Plutôt que de retomber sur un que j'ai déjà. Ok. Allez, Sanji, quoi, s'il vous plaît. Ah, Nico Robin, encore une fois. Putain! Ah, il fout le seum. Nico Robin, bon. Allez, il reste 3 boîtes, ouais, je crois que je veux juste Sanji. Après, j'avoue que leur technique de faire des boîtes un peu surprise, c'est pas mal parce que du coup, t'as pas de prime qui est là en mode personne ne prend. Parce que tu vois, par exemple, jamais de ma vie j'aurais acheté une prime pour Chopper, enfin la fiche de Chopper, jamais j'aurais fait ça. Ok. Sa mère, oui, je suis encore chopper.
J'ai trop le seum. J'ai trop le seum, wesh. Encore chauffeur. Non, moi je me sens G là, salé. Ok. Soul King. Soul King. Hey, il a l'affiche la plus fraîche. Franchement, et sa prime est pas hyper élevée, mais sa, son affiche est la plus fraîche. Genre, c'était celle de son concert sur l'île. Attends, c'est quand qu'ils se sont retrouvés? Pas sur l'île des Sabandis, je sais plus. Bref, juste avant qu'ils se retrouvent, en fait, ils donnaient un concert et c'est cette affiche-là qui avait, genre. Stylé, stylé. C'était un de ceux que je voulais quand même. Mais je veux toujours ce Sanji, wesh. Et dans le dernier, il y a Sanji, je veux rien savoir. La dernière. La dernière. Et je vous jure que j'y retourne s'il n'y a pas Sanji. Ok. Ok. Sanji, je le sens bien là. Je sens l'esprit des Vinsmoke. L'esprit des Vinsmoke. Il est là. 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 Je fous. Je fous. Je fous. Je fous. Je fous. L'esprit des Vinsmoke. Et oui, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Non, trop sale. Trop sale. Vinsmoke Sanji, le cuisinier, mon gars. Poil à frire. Non, non, c'est bon, putain, voilà, Sanji, mon gars, Sanji, bah oui, tu es fou, c'était la dernière, et j'ai eu trop chaud, ouh, oh, j'ai eu chaud, et si j'avais pas Sanji, j'allais repartir en acheter 6, rien à foutre, ok, donc moi j'ai mon Big Tree, j'ai, attends, on va essayer de descendre un peu la pression. Ouf, c'est trop d'émotion pour moi ça. Voilà, donc ça c'est les sachets qu'ils donnaient au magasin, au Jam Shop. Et donc du coup, comme je vous disais, il me manque le jeune Franky qui est ici et la jeune pivoleuse Nami. Bon, vu qu'il en manque deux, je pense que de toute façon je dois retourner au magasin, au Jam Shop, pour prendre d'autres cadeaux pour quelqu'un. Et du coup, je pense que je prendrai encore 3-4 affiches. Comme ça, au cas où, s'il y en a d'autres, ben, je la laisserai pour la personne. Et puis, si j'arrive à trouver celle qui me manque, je les garde pour moi. Et oui, égoïste vie. En tout cas, voilà, fallait que je le fasse en direct quand même pour voir les réactions. Parce que vous vous rendez pas compte, mais je suis saucé de ouf. Vu que c'est un peu aléatoire, ça fait plaisir quand tu tombes sur celui que tu cherches. Et même si ça t'oblige à passer par plein de trucs que tu voulais pas forcément, mais que tu vas prendre au final. Et vas-y, au final, tu vois, ça me pousse même à faire la collection. Donc, bon... On va y aller, hein. A few minutes later. Comme je vous ai dit, rien ne m'arrêtera tant que je n'ai pas l'équipage au complet. Bang! Encore 4 boîtes ici. Pourtant, il me manque que 2 persos, mais je me mets toutes les chances de mon côté. Donc, il nous manque Nami et Franky. Espérons que les deux sont dans, parmi ces 4 boîtes. On va voir ça tout de suite. Ok, ok, première boîte. Est-ce que je sens l'esprit de Nami ou de Franky? Ok. Ah, merde. J'ai lu un peu. Roronoa, putain. Elle est foutue le seum quand même, on va marquer, à pas marquer ce qui est qui. Au final, j'achète tout ça pour rien. Mais bon, c'est pas grave, au pire, je pourrais toujours faire des cadeaux, des trucs comme ça avec. Je sais que tout le monde à la recherche de ces jeunes posters, à défaut de trouver l'équipage du chapeau de paille. En même temps, je sentais pas trop l'esprit de Nami parmi dans la boîte d'avant. Là, c'est Franky. Là, vous allez voir, c'est Franky. Vous allez voir, regardez ça, regardez, qu'est-ce que... Merde, Nico Robin, putain. Bon. Voilà, espérons que la chance est avec moi. Il reste encore 2, tu vois, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs, parce que... J'ai senti la douille un peu arriver. J'ai des potos qui voulaient des posters et tout, donc... Herman, d'ailleurs, si tu vois ça, tiens, fuck toi. Ça sera pour toi, tu vois, tu fais trop le malin. Tu fais trop le malin. Mais ça sera pour toi quand même. Ok. Là, c'est la bonne. Voilà, au moins un des deux. Putain. Bon, ça veut déjà dire que j'aurai pas l'équipage au complet. Tout ça, c'est que des trucs que j'ai déjà eu en double. Fuck. Ah, j'ai le seum. Là, j'ai le seum. Tout à l'heure, vous avez vu des effusions de joie. Là, on est dans le seum. En même temps, je suis un peu fatigué au moment où je tourne cette vidéo, donc bon. Allez, au moins un ami. Je veux au moins un ami. Soul King.
Bon, que des posters que j'ai déjà eus, c'est pas grave. Je sais qu'il y a des gens qui seront contents d'avoir ces jeunes affiches. Ah là là. Je pense pas que je vais retourner en acheter quand même, parce que ça commence à faire beaucoup. Mais au final, j'ai quasiment l'équipage au complet, il manque Nami et Francky. Bon, voilà, tant pis, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. C'est la vie. 2 hours later. Bon les gars, je suis à l'aéroport. On va quitter ce merveilleux pays qu'est le Japon. Franchement, c'est un pays qui m'a énormément touché, je vous l'ai déjà dit et tout. Mais c'est rien que le fait, juste pour les mangas et tout. J'adore la culture aussi, mais vraiment pour les mangas, moi ça m'a matrixé. Le pays est vraiment magnifique, tout le monde, enfin bref, tout le monde est poli, tout le monde est truc. Je me suis même vénère à l'aéroport là, parce que on va peut-être pas être à côté avec ma copine, on sera peut-être séparés. Ça c'est chiant, tu vois, c'est jamais arrivé depuis que tu prends l'avion. Ça m'a un peu saoulé, mais tranquille, au final, la note est quand même plutôt belle. J'ai kiffé mon séjour, j'ai vu plein de trucs de ouf. Voilà, hein, c'est le cœur lourd que je pars. En tout cas, j'espère quand même que vous avez kiffé tous ces vlogs. Moi, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. On est ensemble. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis peace. Fuck la magie, SO Asta. Je vais te capturer comme si je m'appelle Sacha. Ça suce des bites à la lippe. Sur tilt avec double pump. J'ai la candy, j'ai la cash, j'ai l'engui et j'ai la puff. Tu l'as rêvé, tu veux l'acheter, lève ton cul et va bosser. Luigi gang gang gang. Par contre, je dois vous le dire, l'aéroport de Tokyo, moi je suis à Haneda, il est claqué au sol.